Tiens. T'en fais pas, mon grand, lui, il te laissera pas tomber. Et mieux. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. Un jaloux. Un plein de marde. Il y en a qui trouvent que je connais pas ça, le hockey. Eh, on sait bien. Ils ont 16 games de jouer avec le national. Ils peuvent se permettre de critiquer. Eh, on rit pas. Ils se sentent assez bons pour venir me dire quoi faire ici. Ils sont pas capables de lancer deux fois contre la pire défense de la Ligue à Pittsburgh. Puis le lendemain soir à Chicago, ils se font prendre sa glace pour 3 buts en 3 présences. Hey! C'est au bout, ça! Et ils sont capables de critiquer, par exemple. Puis de poignarder un autre joueur dans le dos. Prendre du cœur pour faire ça. Puis de la jugeote en maudit. Ça mérite de jouer plus souvent. Ça laisse des traces de break dans ses culottes chaque fois que ça rencontre Semenko dans un coin. Puis ça va venir me dire que je suis un chieux, un peureux. Il y a un petit salaud ici qui était même pas capable de faire une longue distance la première fois qu'il est sorti de Québec. Puis ce petit salaud-là va venir salir la réputation d'un vétéran qui a donné son sang pour l'équipe, qui a gagné 2 Coupes Stanley, puis qui a plus de cicatrices sur le corps qu'il y en a qui ont de poils au menton. Moi, il faudrait que je ferme ma gueule quand un trou de cul va vendre la vie privée d'un coéquipier à une journaliste pour avoir sa petite face d'hypocrite en première page. Et les gars de même, c'est pas des hommes. C'est des sissus de cul à un moment! Ça n'a pas de queue entre les jambes! Les gars de même, ça me fait vomir quand je les regarde! Ça n'a pas de place dans mon équipe! Ça ne mérite pas d'avoir un uniforme! Nounou! Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Oh, puis vous autres, mes sacrements. S'il y a une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Préparez-vous, bande de sans-cœurs, parce que New York, de l'autre bord, ils sont prêts. Ils n'ont pas de petites charognes dans leur équipe, eux autres.